La belle Cunégonde, ayant entendu l'histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu'on devait à une personne de son rang et de son mérite. Elle accepta la proposition. Elle engagea tous les passagers, l'un après l'autre, à lui conter leurs aventures. Candide et elle avouèrent que la vieille avait raison. « C'est bien dommage, » disait Candide, « que le sage Pangloss ait été pendu contre la coutume dans un auto da fé. Il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvre la terre et la mer, et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. » À mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buenos Aires. Cunégonde, le capitaine Candide et la vieille allèrent chez le gouverneur Don Fernando d'Ibarra y Figueroa y Mascarenhas y Lampourdos y Souza. Ce seigneur avait une fierté convenable à un homme qui portait tant de noms. Il parlait aux hommes avec le dédain le plus noble, portant le nez si haut, élevant si impitoyablement la voix, prenant un ton si imposant, affectant une démarche si altière, que tous ceux qui le saluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les femmes à la fureur. Cunégonde lui parut ce qu'il avait jamais vu de plus beau. La première chose qu'il fit fut de demander si elle n'était point la femme du capitaine. L'air dont il fit cette question alarma Candide. Il n'osa pas dire qu'elle était sa femme, parce qu'en effet, elle ne l'était point. Il n'osait pas dire non plus que c'était sa sœur, parce qu'elle ne l'était pas non plus. Et quoique ce mensonge officieux eût été autrefois très à la mode chez les anciens, et qu'il pût être utile aux modernes, son âme était trop pure pour trahir la vérité. « Mademoiselle Cunégonde, de me faire l'honneur de m'épouser, et nous supplions votre excellence de daigner faire notre noce. » Don Fernando d'Ibarra y Figueroa y Mascarenhas y Lampourdos y Souza, relevant sa moustache, sourit amèrement, et ordonna au capitaine Candide d'aller faire la revue de sa compagnie. Candide obéit. Le gouverneur demeura avec mademoiselle Cunégonde. Il lui déclara sa passion, lui protesta que, le lendemain, il l'épouserait à la face de l'église, ou autrement, ainsi qu'il plairait à ses charmes. Cunégonde lui demanda un quart d'heure pour se recueillir, pour consulter la vieille et pour se déterminer. La vieille dit à Cunégonde, « Mademoiselle, vous avez 72 quartiers et pas une au bol. Il ne tient qu'à vous d'être la femme du plus grand seigneur de l'Amérique méridionale, qui a une très belle moustache. Est-ce à vous de vous piquer d'une fidélité à toute épreuve? Vous avez été violée par les Bulgares. Un juif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces. Les malheurs donnent des droits. J'avoue que, si j'étais à votre place, je ne ferais aucun scrupule d'épouser monsieur le gouverneur et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide. » Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l'âge et l'expérience donnent, on vit entrer dans le port un petit vaisseau. Il portait un alcade et des alguazils, et voici ce qui était arrivé. La vieille avait très bien deviné que ce fut un cordelier à la grande manche qui vola l'argent et les bijoux de Cunégonde dans la ville de Badaros, lorsqu'elle fuyait en hâte avec Candide. Ce moine voulut vendre quelques-unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand inquisiteur. Le cordelier, avant d'être pendu, avoua qu'il les avait volées. Il indiqua les personnes et la route qu'elles prenaient. La fuite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On les suivit à Cadix, on envoya sans perdre de temps un vaisseau à leur poursuite, le vaisseau était déjà dans le port de Buenos Aires. Le bruit se répandit qu'un alcade allait débarquer et qu'on poursuivait les meurtriers de Monseigneur le Grand Inquisiteur. La prudente vieille vit dans l'instant tout ce qui était à faire. « Vous ne pouvez fuir, et vous n'avez rien à craindre. Ce n'est pas vous qui avez tué Monseigneur. Et d'ailleurs, le gouverneur qui vous aime ne souffrira pas qu'on vous maltraite. Demeurez. » Elle court sur le champ à Candide. « Fuyez, ou dans une heure vous allez être brûlés. » Il n'y avait pas un moment à perdre. Mais comment se séparer de Cunégonde? Et où se réfugier? Candide avait amené de Cadix un valet tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol, né d'un métis dans le Tucumán. Il avait été enfant de chœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo et aimait fort son maître, parce que son maître était un fort bonhomme. Il sella au plus vite les deux chevaux andalous. « Allons, mon maître, suivons le conseil de la vieille, partons, et courons sans regarder derrière nous. » Candide versa des larmes. « Oh, ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces? Cunégonde amenée de si loin, que deviendrez-vous ? » « Elle deviendra ce qu'elle pourra, » dit Cacambo. « Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elle. Dieu y pourvoit. Courons !»« Où me mènes-tu? Où allons-nous? Que ferons-nous sans Cunégonde ?» disait Candide. « Par Saint-Jacques de Compostelle, » dit Cacambo, « vous alliez faire la guerre aux Jésuites. Allons la faire pour eux. Je sais assez les chemins. » Je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles. Tu as donc déjà été dans le Paraguay ? Dit Candide. Et vraiment oui, dit Cacambo. J'ai été cuistre dans le collège de l'Assomption. Et je connais le gouvernement de Los Padres comme je connais les rues de Cadix. C'est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de 300 lieues de diamètre, il est divisé en 30 provinces. Los Padres y ont tout, et les peuples rien. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien de si divin que Los Padres, qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi de Portugal, et qui en Europe confessent ses rois, qui tuent ici des Espagnols, et qui à Madrid les envoient au ciel. Cela me ravit. Avançons, vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir auront Los Padres quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare. Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler à Monseigneur le commandant. On alla avertir la grande garde. Un officier paraguayen courut aux pieds du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo furent d'abord désarmés, on se saisit de leurs deux chevaux andalous. Les deux étrangers sont introduits au milieu de deux files de soldats. Le commandant était au bout, le bonnet à trois cornes en tête, la robe retroussée, l'épée au côté, l'esponton à la main. Il fit un signe. Aussitôt, 24 soldats entourent les deux nouveaux venus. Un sergent leur dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun Espagnol ouvre la bouche qu'en sa présence et demeure plus de 3 heures dans le pays. « Et où est le révérend père provincial ?» dit Cacambo. Il est à la parade après avoir dit sa messe, répondit le sergent, et vous ne pourrez baiser ces éperons que dans 3 heures. Mais, dit Cacambo, monsieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi, n'est point espagnol, il est allemand. Ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence? Le sergent alla sur le champ rendre compte de ce discours au commandant. Dieu soit béni! Dit ce seigneur. « Puisqu'il est allemand, je peux lui parler. Qu'on le mène dans ma feuillée. » Aussitôt, on conduit Candide dans un cabinet de verdure, orné d'une très jolie colonnade de marbre vert et or, et de treillages qui renfermaient des perroquets, des colibris, des oiseaux-mouches, des pintades, et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or, et tandis que les Paraguayens mangèrent du maïs dans des écuelles de bois, en plein champ à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la feuillée. C'était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un Espagnol, ni celle d'un Jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes qu'on leur avait saisies, ainsi que les deux chevaux andalous. Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant. Ensuite, ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand ?» lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, » dit Candide. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous » dit le jésuite. « De la sale province de Westphalie. Je suis né dans le château de Thunder-ten-tronckh, » dit Candide. « Oh, ciel! Est-il possible ?» s'écria le commandant. « Quel miracle !» s'écria Candide. « Serait-ce vous ?» dit le commandant. « Cela n'est pas possible !» dit Candide. Ils se laissent tomber tous les deux à la renverse. Ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Oh, 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 oh. Quoi? Serait-ce vous, mon révérend père? Vous, le frère de la belle Cunégonde? Vous qui fûtes tué par les Bulgares? Vous, le fils de monsieur le baron? Vous, jésuite au Paraguay? Oh, il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Oh, Pangloss, Pangloss, que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu !» Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguayens qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et saint Ignace 1000 fois. Il serrait Candide entre ses bras. Leur visage était baigné de pleurs. « Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur, que vous avez cru éventrée, est pleine de santé. Où? Dans votre voisinage, chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires, et je venais pour vous faire la guerre. » Chaque mot qu'il prononçait dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige. Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps en attendant le révérend père provincial, et le commandant parla ainsi à son cher Candide. « J'aurai toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable, et on mit dans une charrette ma mère, mon père et moi, 2 servantes et 3 petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites à 2 lieues du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite. Elle était horriblement salée. Il en entra quelques gouttes dans mes yeux. Le père s'aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement. Il mit la main sur mon cœur et le sentit palpiter. Je fus secouru, et au bout de 3 semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort jolie. Je le devins encore davantage. Aussi le révérend père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelque temps après, je fus envoyé à Rome. Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols. Ils aiment mieux les étrangers, dont ils se croient plus maîtres. Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honoré, en arrivant, du sous-diaconat et d'une lieutenance. Je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne. Je vous réponds qu'elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder. Mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage, chez le gouverneur de Buenos Aires ? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommencèrent à couler. Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide. Il l'appelait son frère, son sauveur. « Ah, peut-être, » lui dit-il, « nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. »« C'est tout ce que je souhaite, car je comptais l'épouser et je l'espère encore, » dit Candide. « Vous ? Insolent !» répondit le baron. Vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur, qui a 72 quartiers? Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire. » Candide, pétrifié d'un tel discours, lui répondit: « Mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations, elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux, et assurément je l'épouserai. » « C'est ce que nous verrons, coquin !» dit le jésuite baron de Thunder-ten-tronckh, et en même temps, il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite. Mais en la retirant toute fumante, il se mit à pleurer. « Oh, hélas, mon Dieu !» dit-il. « J'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde et voilà déjà 3 hommes que je tue. Et dans ces 3, il y a 2 prêtres. » Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la feuillée, accourut. « Il ne nous reste qu'à vendre cher notre vie. On va sans doute entrer dans la feuillée. Il faut mourir, les armes à la main. » Cacambo, qui en avait bien vu d'autres, ne perdit point la tête. Il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. « Galopons, mon maître. Tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres, et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. » Il volait déjà en prononçant ces paroles, et criant en espagnol: « Place ! Place pour le révérend père colonel !» Candide et son valet furent au-delà des barrières, et personne ne savait encore dans le camp la mort du jésuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu où ils ne découvrirent aucune route. Enfin, une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présenta devant eux. Nos 2 voyageurs font repaître leurs montures. Cacambo propose à son maître de manger et lui en donne l'exemple. « Comment veux-tu que je mange du jambon quand j'ai tué le fils de monsieur le baron et que je me vois condamné à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie? À quoi me servira de prolonger mes misérables jours, puisque je dois les traîner loin d'elle dans les remords et dans le désespoir? Et que dira le journal de Trévoux ?» En parlant ainsi, il ne laissait pas de manger. Le soleil se couchait. Les 2 égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie, mais ils se levèrent précipitamment avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clameurs partaient de 2 filles toutes nues qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que 2 singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié. Il avait appris à tirer chez les Bulgares, et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à 2 coups, tire et tue les 2 singes. « Dieu soit loué, mon cher Cacambo! J'ai délivré d'un grand péril ces 2 pauvres créatures. Si j'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je l'ai bien réparé en sauvant la vie à 2 filles. Ce sont peut-être 2 demoiselles de condition, et cette aventure nous peut procurer de très grands avantages dans le pays. » Il allait continuer, mais sa langue devint percluse quand il vit ces 2 jeunes filles embrasser tendrement les 2 singes, fondre en larmes sur leur corps, et remplir l'air des cris les plus douloureux. « Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, » dit-il enfin à Cacambo, lequel lui répliqua: « Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître. Vous avez tué les 2 amants de ces demoiselles. » « Leurs amants? Serait-il possible? Vous vous moquez de moi, Cacambo. Ah, le moyen de vous croire. » « Mon cher maître, » repartit Cacambo, « vous êtes toujours étonné de tout. Pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays, il y a des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames? Ils sont des quarts d'hommes, comme je suis un quart d'espagnol. » « Hélas !» reprit Candide. « Je me souviens d'avoir entendu dire à maître Pangloss qu'autrefois pareils accidents étaient arrivés, et que ces mélanges avaient produit des égypans, des faunes, des satyres, que plusieurs grands personnages de l'Antiquité en avaient vu, mais je prenais cela pour des fables. » « Vous devez être convaincu à présent, » dit Cacambo, « que c'est une vérité, Et vous voyez comment en usent les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation. Tout ce que je crains, c'est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire. » Ces réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie et à s'enfoncer dans un bois. Il y soupa avec Cacambo et tous deux, après avoir maudit l'inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buenos Aires et le baron, s'endormirent sur de la mousse. À leur réveil, ils sentirent qu'ils ne pouvaient remuer. La raison en était que, pendant la nuit, les Oreillons, habitants du pays, à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garrottés avec des cordes d'écorce d'arbres. Ils étaient entourés d'une cinquantaine d'oreillons tout nus, armés de flèches, de massues et de haches de cailloux. Les uns faisaient bouillir une grande chaudière, les autres préparaient des broches, et tous criaient « C'est un jésuite! C'est un jésuite! Nous serons vengés et nous ferons bonne chère! Mangeons du jésuite! Mangeons du jésuite !» « Je vous l'avais bien dit, mon cher maître !» s'écria tristement Cacambo, que ces deux filles nous joueraient d'un mauvais tour. Candide, apercevant la chaudière et les broches, s'écria « Nous allons certainement être rôtis ou bouillis !» Oh ! Que dirait maître Pangloss s'il voyait comme la pure nature est faite ? Tout est bien, soit, mais j'avoue qu'il est bien cruel d'avoir perdu mademoiselle Cunégonde et d'être mis à la broche par des oreillons. Cacambo ne perdait jamais la tête. « Ne désespérez de rien, » dit-il au désolé Candide. « J'entends un peu le jargon de ces peuples. Je vais leur parler. » « Ne manquez pas de leur représenter quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes, et combien cela est peu chrétien. »« Messieurs, » dit Cacambo, « vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite ? C'est très bien fait. » Rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet, le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain, et c'est ainsi qu'on en agit dans toute la terre. Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bonne chère, mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous. Certainement, il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais, messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jésuite en broche, et c'est votre défenseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays. Monsieur que vous voyez est mon maître, et bien loin d'être jésuite, il vient de tuer un jésuite. Il emporte les dépouilles. Voilà le sujet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe, portez-la à la première barrière du royaume de Los Padres. Informez-vous si mon maître n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps. Vous pourrez toujours nous manger si vous trouvez que je vous ai menti. Mais si je vous ai dit la vérité, vous connaissez trop les principes du droit public, les mœurs et les lois, pour ne nous pas faire grâce. Les Oreillons trouvèrent ce discours très raisonnable. Ils députèrent deux notables pour aller en diligence s'informer de la vérité. Les deux députés s'acquittèrent de leur commission en gens d'esprit et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent leurs deux prisonniers, leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent des filles, leur donnèrent des rafraîchissements et les reconduirent jusqu'aux confins de leur état en criant avec allégresse « Il n'est point jésuite! Il n'est point jésuite !» Candide ne se lassait point d'admirer le sujet de sa délivrance. « Quel peuple! Quels hommes! Quelles mœurs! Si je n'avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d'épée au travers du corps du frère de mademoiselle Cunégonde, j'étais mangé sans rémission. Mais après tout, la pure nature est bonne puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait mille honnêtetés dès qu'ils ont su que je n'étais pas jésuite. » Quand ils furent aux frontières des Oreillons, « Vous voyez, dit Cacambo à Candide, que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre. Croyez-moi, retournons en Europe par le plus court. »« Comment y retourner ? » dit Candide. « Et où aller ? Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Avars y égorgent tout. Si je retourne en Portugal, j'y suis brûlé. Si nous restons dans ce pays-ci, nous risquons à tout moment d'être mis en broche. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que mademoiselle Cunégonde habite? Tournons vers la Cayenne, dit Cacambo. Nous y trouverons des Français qui vont par tout le monde. Ils pourront nous aider. Dieu aura peut-être pitié de nous. Il n'était pas facile d'aller à la Cayenne. Il savait bien à peu près de quel côté il fallait marcher. Mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands, des sauvages étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue, leurs provisions furent consumées. Ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages et se trouvèrent enfin auprès d'une petite rivière bordée de cocotiers qui soutinrent leur vie et leurs espérances. Cacambo, qui donnait toujours d'aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide « Nous n'en pouvons plus. Nous avons assez marché. J'aperçois un canot vide sur le rivage. Emplissons-le de coco. Jetons-nous dans cette petite barque. Laissons-nous aller au courant. Une rivière mène toujours à quelque endroit habité. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. » Allons, recommandons-nous à la Providence. Ils voguèrent quelques lieues entre des bords tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt escarpés. La rivière s'élargissait toujours. Enfin, elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevait jusqu'au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardiesse de s'abandonner au flot sous cette voûte. Le fleuve, resserré en cet endroit, les porta avec une rapidité et un bruit horrible. Au bout de 24 heures, ils revirent le jour, mais leur canot se fracassa contre les écueils. Il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieue entière. Enfin, ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout l'utile était agréable. Les chemins étaient couverts, ou plutôt ornés, de voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, du Tétouan et de Méquinez. Voilà pourtant un pays qui vaut mieux que la Westphalie. Il mit pied à terre avec Cacambo auprès du premier village qu'il rencontra. Quelques enfants du village, couverts de brocarts d'or tout déchirés, jouaient au palais à l'entrée du bourg. Nos deux hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder. Leur palais était d'assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, vertes, qui jetaient un éclat singulier. Il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns. C'était de l'or. C'était des émeraudes, des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du Mogol. « Sans doute, » dit Cacambo, « ces enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palais. » Le magistère du village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l'école. « Voilà le précepteur de la famille royale. » Les petits gueux quittèrent aussitôt le jeu, en laissant à terre leur palais et tout ce qui avait servi à leur divertissement. Candide les ramasse, court au précepteur et lui présente humblement, lui faisant entendre par signe que leurs altesses royales avaient oublié leur or et leurs pierreries. Le magistère du village, en souriant, les jeta par terre, regarda un moment la figure de Candide avec beaucoup de surprise et continua son chemin. Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or, les rubis et les émeraudes. « Où sommes-nous ? » s'écria Candide. « Il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. » Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent enfin de la première maison du village. Elle était bâtie comme un palais d'Europe. Une foule de monde s'empressait à la porte et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait entendre et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s'approcha de la porte et entendit qu'on parlait péruvien. C'était sa langue maternelle, car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucumán, dans un village où l'on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d'interprète, » dit-il à Candide. « Entrons, c'est ici un cabaret. » Aussitôt, Deux garçons et deux filles de l'hôtellerie, vêtus de drap d'or et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l'hôte. On servit 4 potages garnis chacun de 2 perroquets, un contour bouilli qui pesait 200 livres, 2 singes rôtis d'un goût excellent, 300 colibris dans un plat et 600 oiseaux-mouches dans un autre, des ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses, le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de cannes de sucre. Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d'une politesse extrême, qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte et qui répondirent aux siennes d'une manière à le satisfaire. Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainsi que Candide, bien payer son écho en jetant sur la table de l'hôte 2 de ses larges pièces d'or qu'il avait ramassées. L'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire et se tinrent longtemps les côtés. Enfin, ils se remirent. « Messieurs, nous voyons bien que vous êtes des étrangers. Nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire quand vous nous avez offert en paiement les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chère ici, parce que c'est un pauvre village. Mais partout ailleurs, vous serez reçus comme vous méritez de l'être. » Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l'hôte, et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. « Quel est donc ce pays, inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre ?» disaient-ils l'un et l'autre. « C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce. » Et quoi qu'en dit maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait mal en Westphalie. » Cacambo témoigna à son hôte toute sa curiosité. L'hôte lui dit « Je suis fort ignorant et je m'en trouve bien. Mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour qui est le plus savant homme du royaume et le plus communicatif. » Aussitôt, il mène Cacambo chez le vieillard. Candide ne jouait plus que le second personnage et accompagnait son valet. Ils entrèrent dans une maison fort simple, car la porte n'était que d'argent et les lambris des appartements n'étaient que d'or, mais travaillés avec tant de goût que les plus riches lambris ne l'effaçaient pas. L'antichambre n'était à la vérité incrustée que de rubis et d'émeraudes, mais l'ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien cette extrême simplicité. Le vieillard reçut les 2 étrangers sur un sofa matelassé de plumes de colibri et leur fit présenter des liqueurs dans des vases de diamants, après quoi il satisfit à leur curiosité en ces termes. « Je suis âgé de 72 ans et j'ai appris de feu mon père, écuyer du roi, les étonnantes révolutions du Pérou dont il avait été témoin. Le royaume où nous sommes et l'ancienne patrie des Incas, qui en sortirent très imprudemment pour aller subjuguer une partie du monde, et qui furent enfin détruits par les Espagnols. Les princes de leur famille qui restèrent dans leur pays natal furent les plus sages. Ils ordonnèrent, du consentement de la nation, qu'aucun habitant ne sortirait jamais de notre petit royaume. Et c'est ce qui nous a conservé notre innocence et notre félicité. Les Espagnols ont une connaissance confuse de ce pays. Ils l'ont appelé Eldorado, et un Anglais, nommé le chevalier Raleigh, en a même approché il y a environ 100 années. Mais comme nous sommes entourés de rochers inabordables et de précipices, nous avons toujours été jusqu'à présent à l'abri de la rapacité des nations de l'Europe qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre et qui, pour en avoir, nous tueraient tous jusqu'au dernier. » La conversation fut longue. Elle roula sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, sur les femmes, sur les spectacles publics, sur les arts. Enfin Candide, qui avait toujours du goût pour la métaphysique, fit demander par Cacambo si dans le pays il y avait une religion. Le vieillard rougit un peu. « Comment donc ? » dit-il. « Pouvez-vous en douter ? Est-ce que vous nous prenez pour des ingrats ?» Cacambo demanda humblement quelle était la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit encore. « Est-ce qu'il peut y avoir deux religions ?» dit-il. « Nous avons, je crois, la religion de tout le monde. Nous adorons Dieu du soir jusqu'au matin. » « N'adorez-vous donc qu'un seul Dieu ?» dit Cacambo, qui servait toujours d'interprète aux doutes de Candide. « Apparemment, » dit le vieillard, « qu'il n'y en a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien singulières. » Candide ne se lassait pas de faire interroger ce bon vieillard. Il voulut savoir comment on priait Dieu dans l'Eldorado. « Nous ne le prions point, » dit le bon et respectable sage. « Nous n'avons rien à lui demander. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Nous le remercions sans cesse. » Candide eut la curiosité de voir des prêtres. Il fit demander où ils étaient. Le bon vieillard sourit. « Mes amis, » dit-il, « nous sommes tous prêtres. » Le roi et tous les chefs de famille chantent des cantiques d'action de grâce solennellement tous les matins, et 5 ou 6 000 musiciens les accompagnent. Quoi? Vous n'avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent, qui cabalent, et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis? Il faudrait que nous fussions fous, dit le vieillard. Nous sommes tous ici du même avis, et nous n'entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines. Candide à tous ses discours demeurait en extase et disait en lui-même « Ceci est bien différent de la Westphalie et du château de Monsieur le Baron. Si notre ami Pangloss avait vu Eldorado, il n'aurait plus dit que le château de Thunder-ten-tronckh était ce qu'il y avait de mieux sur la terre. Il est certain qu'il faut voyager. » Après cette longue conversation, le bon vieillard fit atteler un carrosse à 6 moutons et donna 12 de ses domestiques aux 2 voyageurs pour les conduire à la cour. « Excusez-moi, » leur dit-il, « si mon âge me prive de l'honneur de vous accompagner. Le roi vous recevra d'une manière dont vous ne serez pas mécontent, et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays s'il y en a quelques-uns qui vous déplaisent. » Candide et Cacambo montent en carrosse. Les 6 moutons volaient, et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de 220 pieds de haut et de 100 de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez de quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri. Après quoi, les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de Sa Majesté, au milieu de 2 files, chacune de 1000 musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer Sa Majesté. Si on se jetait à ses genoux ou ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle, en un mot, quelle était la cérémonie? « L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des 2 côtés. » Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper. En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueur de canne à sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le parlement. On lui dit qu'il n'y en avait point et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. Après avoir parcouru toute l'après-dînée à peu près la 1000e partie de la ville, on les ramena chez le roi. Candide se mit à table entre Sa Majesté, son valet Cacambo et plusieurs dames. Jamais on ne fit meilleure chère, et jamais on n'eut plus d'esprit à souper qu'en eut Sa Majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide, et quoique traduit, il paraissait toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, ce n'était pas ce qui l'étonna le moins. Ils passèrent un mois dans cet hospice. Candide ne cessait de dire à Cacambo « Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Mais enfin, mademoiselle Cunégonde n'y est pas, et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres. Au lieu que si nous retournons dans notre monde, seulement avec 12 moutons chargés de cailloux d'Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble, nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre. » Et nous pourrons aisément reprendre mademoiselle Cunégonde. Ce discours plut à Cacambo. On aime tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire parade de ce qu'on a vu dans ses voyages, que les deux heureux résolurent de ne plus l'être et de demander leur congé à Sa Majesté. « Vous faites une sottise, » leur dit le roi. « Je sais bien que mon pays est peu de choses, mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers. C'est une tyrannie qui n'est ni dans nos mœurs ni dans nos lois. Tous les hommes sont libres. Partez quand vous voudrez, mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivés par miracle et qui court sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont 10 000 pieds de hauteur et sont droites comme des murailles. Elles occupent chacune en largeur un espace de plus de 10 lieues. On ne peut en descendre que par des précipices. Cependant, puisque vous voulez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants des machines d'en faire une qui puisse vous transporter commodément. Quand on vous aura conduit au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner, car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte, et ils sont trop sages pour rompre leurs vœux. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira. « Nous demandons à votre majesté, dit Cacambo, que quelques moutons chargés de vivres, de cailloux et de la boue du pays. » Le roi rit. « Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d'Europe ont pour notre boue jaune. Mais emportez-en tant que vous voudrez. Et grand bien vous fasse. » Il donna l'ordre sur-le-champ à ses ingénieurs de faire une machine pour guinder ces deux hommes extraordinaires hors du royaume. 3000 bons physiciens y travaillèrent, elle fut prête au bout de 15 jours et ne coûta pas plus de 20 millions de livres sterling, monnaie du pays. On mit sur la machine Candide et Cacambo. Il y avait 2 grands moutons rouges sellés et bridés pour leur servir de monture quand ils auraient franchi les montagnes, 20 moutons de bât chargés de vivres, 30 qui portaient des présents de ce que le pays a de plus curieux, et 50 chargés d'or, de pierreries et de diamants. Le roi embrassa tendrement les 2 vagabonds. Ce fut un beau spectacle que leur départ, et la manière ingénieuse dont ils furent hissés, eux et leurs moutons, en haut des montagnes. Les physiciens prirent congé d'eux après les avoir mis en sûreté, et Candide n'eut plus d'autre désir et d'autre objet que d'aller présenter ses moutons à mademoiselle Cunégonde. « Nous avons de quoi payer le gouverneur de Buenos Aires, si mademoiselle Cunégonde peut être mise à prix. Marchons vers la Cayenne, embarquons-nous et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. »